Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Là, j'ai mis, je vais voir le jour. Attendant qu'Aquila m'a donné cette carte pour toi. Je suis assez occupé pour le moment. J'ai trouvé une grotte souterraine. Non, répète rien, je dois aller explorer. Très bien, alors je vais aller chercher le trésor tout seul. Et c'est quoi le problème d'Aquila? Il n'en a pas, c'est un singulier, il l'a toujours été, c'est pour ça que je l'aime bien. Notre famille ne le traitait pas bien. Mais il s'en fichait. Je crois que les habitants en Coalis ne l'aiment pas beaucoup. Il y a des chances. Peut-être que les habitants de Coalis ne s'entendent pas bien avec les étrangers. C'est possible. N'oublie pas le trésor. Il y a de préoccupé. À vrai dire, je suis énervé. Qu'y a-t-il? Quand on m'a dit que c'était qu'être un pirate, personne n'avait parlé de ça, quoi. Ils sont tous très sages, j'ai toujours du mal à me rendre aux réunions à la fleur interdite, vraiment. Peut-être que tu es un peu obsédé par la propriété, c'est ce que dirait quelqu'un de sale. Hey, je suis simplement très déçu par ces personnes, est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux te donner la recette pour fabriquer du savon élite, puis tu pourrais m'en distribuer aux autres pirates. Je vais en fabriquer. Bien, voilà tout ce qu'il te faut. Rapporte-en 4, s'il te plaît. Tu ressens, mais ce n'est pas humiliant d'être une messagère. Le trésor est peut-être sur l'île. Hmm.
Oh. 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 J'ai même pas de pelle. Ah, peut-être là, si je prenais le marteau, la hache. Donc le Vélonie, c'était une des autour de l'île. C'est ça que c'est une nuit. Thank you.
Je crois que la nature est un vide étrange, pour tout vous avouer. Je me demande si je perds pas la tête. Ce sont des esprits de Mara. Ils existent. Ils exigent ta présence. Tu es prête à présent. Pourquoi faire? Poursuivre ton destin, Mara. Tu vas bientôt devenir une gardienne. N'est-ce pas, mon ami? Ouais. C'est l'un d'entre eux. Oui, il est très timide. Cela fait quelque temps qu'il m'accompagne. Ah. Ce sont des êtres assez caractéristiques. Ils agissent un peu partout dans Mara. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Sois toi-même. Ah. Tu es forte, quoi. Tu es héritière d'une véritable gardienne, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, je vais lui dire. Il dit qu'il aimerait que tu apportes quelque chose de sucré la prochaine fois. Possible, je le ferai. Et va parler à Sammy. Cet esprit sait vraiment tout. Hein. Tu connais déjà les esprits? Oui, je les ai vus dans les tempêtes. Aux fontaines, tous les esprits de Mara ne sont pas forcément libres. Certains d'entre eux sont pris au piège. Les pauvres, est-ce que je peux les aider? Demande si tu les trouves. Toutefois, un véritable gardien sera où trouver ces esprits au piège. Tu prends soin de Mara et que tu les libères, ils te remercieront. Je vais les chercher, Blue. Je les aiderai en moins d'occasion. Écoute les vents de Mara. C'est le crochet du pirate de Monsieur Echo, vraiment. Tu ne mens pas cette fois, je jure sur mon manteau. Ah, je suis super contente. Par contre, il est un peu bizarre, peu importe. C'est un crochet de pirate. Tu as voulu quoi? Comment ça? Je ne travaille pas moins depuis qu'on les associe et je n'avais jamais promis ça. Ah bon, c'était uniquement dans le but d'aider Erwan et il s'en sort bien mieux maintenant. À vrai dire, c'était une très bonne idée. Tu mérites une récompense, quoi. Tu veux me donner une récompense? Oui. Quand j'étais petite, j'avais une balançoire en bois sous laquelle je m'amusais beaucoup. Peut-être que toi aussi, tu pourrais t'amuser avec si tu l'installes sur ton île. Le chaman aime le balancer pour se détendre. Ça fonctionne peut-être aussi pour les petites filles humaines. Je ne sais pas ce que tu donnes exactement. Bon, on a terminé toutes les quêtes de Mayo. Non, je mangeais 4 savons.
Ça y est, j'ai les savants. Tu ferais bien de garder pour un toit, ma petite. Qu'est-ce que tu insinues par là? C'est au cas où tu en as besoin. Et peut-être mon oncle qu'il a besoin d'une toile. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve sous l'eau parce que ça ne se préserve pas dans les conditions. Elle doit être fabriquée, mais je ne sais pas doué pour ce genre de choses. Tu pourrais essayer, toi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme matériau? J'ai tout inscrit ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il me demande ce genre de choses. N'oublie pas que de protéger les sous-marins, ouais, c'est ça. Papier et lingot, j'adore la préparation des invitations. Si j'organise des courses, c'est pour préparer les invitations et les sceller avec des cachets en or sur lesquels on voit mon beau visage. C'est bon, tu peux les distribuer. Hey. Commence par le tio, il ne saura pas dire non. Qu'est-ce que tu as? J'ai une invitation pour la participer à la lune des courses de M. Echo. Où est-ce que je dois y aller? Je crois bien.
Et qu'on sent pas mal. Mais il est tellement agaçant. Il passe son temps à parler de sa jeunesse. Tout le monde sans moi. Inscris-toi, je suis sûr que ça sera amusant. J'espère. Merci de me l'avoir apporté. Je te fais cadeau de ces sardines en échange. Merci, maintenant je vais chercher Rigata. Forêt brûlée. Une invitation pour toi, pourquoi? Pour l'une des courses de Monsieur Echo, on s'y amuse toujours, beaucoup. Pourquoi est-ce que vous organisez des courses en pirate parce que nous avons enlevé des bateaux? On s'ennuie et que Monsieur Echo insiste toujours, mais on s'amuse. Apporte-la à ta main, tu verras. D'accord. Tiens là, ça. Le messager a droit à ses coquillages. Iceberg. Vu que je suis là, on va en profiter pour aller parler à Sammy.
Où t'es-tu passé? Je me faisais un grand angle. Sans donc, est-ce que tu as découvert quelque chose? Cette spirale représente les vents de Mara. Les premiers Mara s'en servaient comme guide. Ils suivaient la spirale des vents pour atteindre les fontaines sacrées de Mahal. Il y a quelque chose d'étrange. J'ai inscrit la station élite sur la carte. Elle semble connectée à la spirale et c'est aussi le cas des temples antiques où se trouvent les fontaines. Regarde, s'il vous plaît. Nous le plaçons sur la carte. Quoi? Et si nous mettons cette île? C'est de Duna. Et à l'est, il y a une grande table d'Oa et on trouve un flux interdit en spirale de l'ouest. Où est-ce que tu veux en venir? Regarde, l'océan tout entier crée une spirale. Tout est lié. Mais il n'y a rien au centre de tout ça. À vrai dire, les navires ont toujours évité cet endroit. C'est là que se trouve mon île. Tu dois aller voir ce qu'il y a au centre. Il y a peut-être une fontaine de Mala ou marine, quelque chose de ce genre. C'est ce que recherchent les élites, d'accord? Inutile de courir. Rien ne presse, n'est-ce pas? Quoi? Je pense que je t'ai demandé, s'il te plaît. Allez, on s'en va à l'île de Nord. Dans le froid. Une invitation pour participer à l'une des courses de Monsieur Echo, ça ne m'intéresse pas, merci. J'ai le tourni rien qu'en les regardant, j'en suis désolé. Essaie avec Iriti et ne t'en fais pas pour moi. Tiens, prends ça. Tiens, détends-toi, quoi. Salut, quoi, comment ça va? Bien, bien. Super, super. Puisque tu es là, mon œil de verre a disparu. Hein? J'avais un œil de verre, il m'aidait à me détendre quand j'observais l'après-midi, mais là il a disparu. Peut-être qu'un des pirates là, je leur demanderai si je les croise.
tuyaux. Tu n'aurais pas un œil de vapeur? Non, peut-être qu'un membre de mon équipage en a un. Non. En cherchant un particulier, c'est pour ta main. Oh, elle. Elle est un peu étrange. Elle n'a pas vraiment l'air d'être une pirate, c'est sur mon avis. Je t'aime bien. Peut-être que Rigata saurait quelque chose. Elle ramasse tous les déchets qu'elle trouve dans l'eau. Je vais aller lui demander. Regardez mon câble de vin, zut. Vous avez dit que nous nous reverrons. Nous sommes très intéressés par cette île petite. Elle renferme quelque chose. Je le ressens, nos calculs étaient corrects. Partez, il n'y a rien qui vous intéresse ici. Oh, je suis sûr que si. Nous nous retrouverons bientôt, petit. Tu regretteras. Je vous interdis de revenir. Le baron t'anéantira quand il arrivera. Il détruira tout. Cette île est à moi, pour l'instant. Apollo, je suis très inquiet. Gaïa m'a raconté que si l'île était en péril, les gardiens viendront ouvrir la porte, mais il me faut les deux eaux cristallines, famille Duna. Yo. Bonjour Eretti, ah bon? Est-ce que vous voulez participer à une course? Tu me mens toujours. Une invitation pour toi. Ah, c'est parfait. Je suis prête à l'emporter. Pas un bon moment pour parler. Thank you.
Et la course va bientôt commencer. Tiens, je t'ai préparé une nouvelle tenue. J'espère qu'elle te plaît. Il ne manque plus qu'à la cerise sur le gâteau, les explosions. Ouais, je veux voir ça. D'abord, il nous faut de la peau d'Akanan. Est-ce que... Mais que je vous charge d'exploser, il faut pas mal faire attention, super. Voilà la recette pour faire des barils de poudre. Reviens lorsque le poudre de canon sera prêt. D'accord. Allez, là, la pirate. Ouais, tu as besoin de quelque chose? Je cherche un œil de verre, celui de Théma. Théma? Elle est un peu étrange, je vous dis tout ça. Je croyais que c'était une marginale, mais elle est vraiment particulière. Comment ça? Elle ne vient jamais aux courses, elle ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. Elle est vraiment trop anticonformiste. Et c'est mal? Pas du tout. C'est juste étrange. Bon, pour cette histoire d'œil, désolé, mais je n'ai rien du tout. Oh. Dès là, en plus, j'aurais pu y acheter sur certains intérêts. Ah non, le symbole de l'hélice, c'est assez joli. Donc le voilà. Ça y est, le baril explosif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Évidemment, maintenant tu dois t'en servir pour fabriquer des feux d'artifice. D'accord, je vais commencer. N'en fais rien. Je pensais que tu saurais comment faire. Ben non, pas du tout. Bon, d'accord. Garde un peu de peau de canon au cas où tu découvres. Capitaine, si j'ai un offre que tu ne pourras pas refuser, qu'est-ce que c'est? Un objet unique, mythique et à petit prix. Montrez-moi ça. C'est l'œil de Kaku, là, tu dirais la culture, ça ne serait pas l'œil de Théma, par exemple, je ne crois pas. Il est dans ma famille depuis plusieurs siècles, t'en es sûr? Oh. Oui, et pour un prix imbattable, il est à toi, d'accord?
T'es rendu où, elle? Elle est là. Emma, est-ce que c'est ton œil là-bas? Oui, merci beaucoup. J'ai écho qu'il l'avait. Évidemment, je savais qu'il ne pouvait pas avoir disparu. Il n'était simplement pas à son endroit habituel. Merci, Cora. Comment ça va? Où t'es-tu passé? Tu es parti en courant, Sammy. Vous avez reçu une lettre de Haku il y a quelque temps. Quoi, Sammy? Je vous en prie. Je ne peux pas vous expliquer pour le moment, mais c'est urgent. Qu'est-ce que la lettre disait? Il y a toutes ces années, après tant de temps, Haku m'a envoyé une lettre. Elle est sortie de nulle part. Qui est-il arrivé? Un jour, ta grand-mère a disparu. Elle a quitté la marine et nous l'avons abandonné. Elle nous a tous abandonnés. Elle m'a abandonné après ça. Rien n'était plus pareil. Jet s'est plongé dans son travail, Duna a été transférée sur un autre bateau et j'ai demandé un poste sous la terre ferme. Quelques années plus tard, la marine a cessé d'être utile et petit à petit, elle a disparu. Mais nous autres, les marins de Haku, n'avons pu l'abandonner complètement à cause de tout ce qu'elle nous avait appris. Nous devrions la protéger, Mara, avant tout. Tu sais, Koa, elle n'était pas comme ça. Quand je l'ai rencontrée, je me souviens du jour de notre test de qualification. À l'époque, elle était comme toi, joyeuse, espiègle et insouciante. Avec le temps, elle a changé, elle a endossé la responsabilité. Sammy, il faut la cristalline. Je ne peux pas te le donner, quoi. C'est le dernier souvenir que j'ai de Haku. Je pensais t'entraîner pendant plusieurs années en te donnant des missions, en me servant du contenu de les lettres comme prétexte. Je comprends. J'ai mis beaucoup Haku. Tu n'as pas d'idée, peut-être. Haku m'a brisé le cœur. Je ne laisserai pas une telle chose m'arriver de nouveau. Tout ça est plus important. Je suis désolé, quoi. Je ne le ferai pas. Luna me l'a donné, elle.
Oui, mais je suis pas Duna. Va lui demander la CM. Ouais, j'ai vu les mouvements élites ces derniers temps. Je m'en faisais pour toi. Ouais, il semble qu'ils ont découvert quelque chose. Mais que cherche-t-il? Je ne sais pas encore. Si tu as besoin d'aide, tu sais quoi faire. C'est pour ça que je suis là. Je vous ai parlé d'une lettre et je crois que... Est-ce que tu veux le cristallide? Voilà, il me le faut. Urgent. Eh bien, je crois que tu es prête à l'obtenir. Quand la lettre est arrivée ici, je ne savais pas à quoi penser. Et ce qu'elle a compté sur moi, peut-être bien qu'elle était... La dernière personne qui me faisait confiance, évidemment.
Il était confiance en vous. Quand j'ai lu la lettre, j'ai eu peur. Quand je t'ai vu arriver, j'ai eu encore plus peur. J'avais peur que tu me juges. Que tu vois à quel point j'étais incapable, n'importe quoi. Vous êtes très gentil. Merci, quoi. Mais ce n'est pas... Je n'ai pas les cristallites. Comment ça? Je suis désolé, mais je l'ai jeté dans l'océan. Je l'ai reçu. Et quelque part au nord, je peux t'inscrire l'emplacement sous la carte pour que tu puisses la chercher. Un naufrage a eu lieu à cet endroit. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est là que s'est passé l'accident que j'ai causé lors de la dernière mission pour la marine. Il y a eu une grande explosion. Les navires ont coulé, aucun pirate n'a survécu. Puis il y a quelques années, j'ai reçu une lettre d'Aku alors que j'avais déjà pris ma retraite. J'ai vu ça comme une récompense que je ne méritais pas. Mais je pensais que tu ne viendrais jamais. J'ai fait ça sur un coup de tête. Pensez-vous que je vais réussir à récupérer? Tu devrais plonger très profond, mais je suis sûr que tu y arriveras. Merci. Je vais aller le chercher. J'espère que tu le trouveras. Donna, pourquoi ne m'avez-vous rien dit dès plus tôt? Ta jeunesse m'a fait peur, quoi, pardon. Mais ce n'est plus le cas. Gata, que fais-tu? Salut, petite clé. Tu as enfin battu Reddy? Oui. Toutefois, je ne sais pas si c'était très juste. Bien sûr que si. On va déjà. En fait, je vais aller plonger là-bas. Oh, j'aurais un sort de te demander. Alors, tu veux bien faire quelque chose pour moi? Je suis pressé. Allez, petite, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelques années, un bateau pirate a coulé à cet endroit. Il y a eu une grande explosion, et en tout cas, c'est ce qu'on a dit. Mais il s'avère que le navire transportait une cargaison très intéressante, puis la marine a disparu, laissant le champ libre aux pirates. Je voudrais une partie de ce butin. Il y a. Une bague qui m'intéresse. Une bague avec une gemme au fond de coquillage. Elle est une grande valeur. D'accord, une bague avec un coquillage. Charge. Merci beaucoup. L'argent qu'il en tira et qu'il a pour payer ses dettes. Ça va être beaucoup pour Aquila, tu trouves? Le
tout avouer, la plupart du temps, je lui sers simplement des messages. Un peu, j'ai un peu cette pression parfois aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas les choses, lui? Eh bien, c'est quelqu'un d'assez particulier. Il ne sort pas souvent de chez lui. Il ne supporte pas les autres. Ça me rappelle quelqu'un et ça me dérange pas de l'aider quand j'étais petite. De mon point de vue, il avait l'air d'être un homme le plus intéressant du monde. D'ailleurs, je le pense toujours. Il a besoin d'une amie. Vous êtes les seuls. Il est gentil ici. C'est un beau compliment. Merci, petite. Je sais que tu as ça, mais je ne veux pas. Donc c'était tout pour le live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.